Et salut, c'est Foudrage. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Black Shoot. Alors Black Shoot, c'est un jeu d'action, tir et FPS. Il est sorti le 1er juin 2016, donc la vidéo sera mise je dirais à peu près une semaine après sa sortie. Je mettrai le lien du jeu dans la description pour ceux qui sont intéressés pour jouer dessus ou juste pour voir sa page. Donc voilà. Alors on va commencer. Donc moi j'ai déjà fait un petit personnage. J'étais obligé de faire un petit personnage pour baisser le son parce que sinon le son du jeu est beaucoup trop fort. Donc j'ai dû faire un personnage. Donc au début vous avez 4 personnages que vous pouvez choisir. Il y a 2 personnages dans chaque classe. Ça veut dire que vous avez 2 personnages pour la classe rapide. Et 2 personnages pour une autre classe qui est. C'était quoi l'autre classe? Je crois que c'était le. Pour avoir plus d'armure. Voilà. Donc, ce personnage-là, c'est un personnage rapide. Alors, je peux pas trop vous dire qu'est-ce qu'il parle de rapide ou qu'est-ce qu'il parle d'armure. Bon, l'armure, ça s'entend que. Voilà. Ils sont beaucoup plus. Ils restent en arrière et ils ont beaucoup plus d'armure. Et le personnage rapide va directement dans le tas. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc on va prendre ce personnage-là. Là, vous devez choisir un canal. Donc ça, dès que vous arrivez ici, c'est un canal que vous devez prendre. Normal, clan, café. Je sais pas trop encore que c'est. Moi j'ai juste fait le personnage, donc il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Donc de toute façon on va le découvrir en même temps. Donc on va prendre là où il y a beaucoup de pas mal de monde et débutant canal 2. Ok, on va se connecter. Donc le jeu est en français. Je vous préviens que le jeu est en français, donc c'est vraiment pas mal. Donc, bonus quotidien, ok, on a gagné. Ok. Donc, chaque jour, en fait, vous gagnez des objets. Donc, ça, de toute façon, c'est dans tous les jeux maintenant. C'est dans tous les jeux que c'est comme ça. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, ça, c'est les parties qui se trouvent sur ce serveur. Ok. Ça, c'est la liste des joueurs qui sont ici. Le chat qui se trouve ici. Ça, c'est pour créer, je sais pas, créer un chat, ok. Donc, ça, c'est pour créer un autre chat. Bon, ça m'intéresse pas. Nous avons les amis et les personnes qu'on a bloquées. Ok. On va prendre directement comme ça, voilà. Ensuite, on peut démarrer une partie, une rapide. Je pense que là, c'est pour créer notre partie. Après, ça doit être sûrement des matchs qu'on peut faire. De toute façon, ça regardera après. Par contre, on va commencer à regarder ce qu'il y a vers le haut. Donc déjà, les infos. Donc, tout ce que vous avez, ça doit être pour les armes. Combien de pourcentage que vous avez joué avec, je pense. Ouais, recul. Accomplissement. Ça doit être les quêtes, je pense. Ou les choses qu'on a pu débloquer. Donc le jeu est en français, mais il y a quand même 2-3 choses qui n'est pas en français. Ok. Ça doit être les quêtes. Donc ça, vous pouvez prendre les quêtes au fur et à mesure. Et vous devez. Bah, les terminer pour avoir de l'XP sûrement et puis DAP. Bah, je crois que c'est DAP, des BP et de l'XP. Ok. Bon, ça on verra après ce qu'il faut faire. Bon, au moins les quêtes, on peut voir que c'est en français. Première fois. Ouais, ça c'est en français, donc ça il n'y a pas de souci. Management. C'est quoi ça? Aller au stockage, équiper une arme principale. Ouais, donc ça j'avais fait
à ma première mon premier personnage. Ok. Donc dès le début, vous avez un petit tuto pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire et tout. Hein. Alors, partenaire, je ne vois pas ce que ça peut être. Ça doit être sûrement si vous avez des amis, je pense. Alors, les partenaires sont en mesure d'aider les autres, les autres, et jouer de façon stratégique. Ok, comment former un partenariat? Trouver ou clique droit sur un nom d'utilisateur. Appuyez sur le bouton Ajouter un partenariat. Attendez une réponse. Ok, donc en gros c'est pour jouer avec, je pense. Ok. Bon, ça c'est bien la première fois que je le que qu'il y a un truc comme ça dans un jeu, je crois. Jamais eu ça moi. Ensuite, le stockage. Alors, espace de stockage. Donc ça c'est tout ce que vous avez comme arme. Ça c'était tout ça, toutes les armes que j'ai ici. Ce sont les armes que j'ai récupérées car j'ai débuté, donc en gros ils vous donnent des armes dès le début, mais vous pouvez voir que qui dure pas longtemps. 3 heures, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Durée illimitée. Il n'y a que celui-ci qui est durée illimitée. Ok. Mais les autres durent que 3 heures. Ok. Donc ça va être chaud. Donc ouais. Donc là, c'est donc le stockage qui est rangé par tout ce qui est armes, armure, des items aussi. C'est quoi ça? C'est un medikit, ok. Et ok. Donc ça, c'est le stockage. En gros, l'inventaire. Hein. Vous avez la boutique. J'ai jamais fait un tour dans la boutique. Donc on a des points B. SC, ok, et des points BP. Ok, d'accord. BSC, c'est pas, ça a pas l'air d'être cher, mais ça peut être des points où on doit dépenser de l'argent parce que c'est un free to play. En gros, ça reste gratuit, mais vous pouvez dépenser un peu d'argent sur ce jeu pour acheter des choses qui sont beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Ok, bon. Donc la boutique, voilà. Ça, c'est quoi? Alors. Jouer 10 cartes. D'ailleurs, je sais pas, j'ai combien? Je sais pas si j'ai. Si c'est marqué. Des BP. J'ai des BP et recharge. Ça, je pense que c'est pour donner de l'argent. Si on fait recharge, on va pouvoir aller. Donner de l'argent pour recevoir des points BSC. J'en suis pas sûr, mais le plus souvent c'est comme ça que ça marche. Et donc les BSC, vous les dépensez un petit peu ici. Et je pense que vous gagnez en fait des choses plus ou moins gratos qui restent un certain temps, je pense. Mais moi ça ne m'intéresse pas. Vous avez donc le clan. Alors vous pouvez créer un clan. Voilà le classement des clans. Des classements saisonniers et des classements hebdomadaires. Oh, ok. Gold et ainsi de suite. Ok. Le paramètre. Les paramètres, c'est là où vous changez donc tout ce qui est graphisme, le son, les touches et ainsi de suite. Annuler. Et donc le retour, c'est pour sortir en fait d'ici, de retourner sur la liste des serveurs. Ok, bon. Donc c'est parti, on va voir un peu pour faire peut-être une ou deux parties pour voir un peu comment ça marche. Alors le sniper. Non. À la rigueur, le PC, je me demande qu'est-ce que ça peut être. Donc on va aller faire un tour dans le PC. Accès refusé car la capacité du serveur est pleine. Ils étaient à 9. Ouais, et là ils sont tout est plein en fait. À part celui-ci. Est-ce que je peux y aller? Ouais. Ok. Bon, on va voir, on va tester, hein. Donc c'est parti. Ouais, c'est parti. Donc je sais pas du tout, c'est ma première partie.
Je sais pas si le chargement est rapide ou quoi. Donc on verra bien. Ah bah non, c'est super rapide. C'est vraiment super rapide. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Côté graphisme, ça laisse à désirer. Mais ça reste jouable. Je sais pas pourquoi. Ah mais ok, quand ils sont rouges, ils peuvent pas se faire toucher, je pense. Un certain temps, ok. Ouais, ça reste un peu. Ça me fait penser un petit peu au graphisme de. D'un jeu que j'avais aussi joué. Bon, on va tester. Alors déjà, je peux pas viser. Ok. Ils ont tous des snipers. Sauf une, ok. Wow. Wow. Wow, j'ai. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai pris cher. Ah non, j'ai perdu un peu de HP. Donc les HP, ça doit être en bas, 90. J'étais à 100. Le AP, ça doit être l'armure, je pense. Ouais, je pense que c'est. Je pense que c'est ça. On a la minimap en haut, à gauche, d'accord. Au milieu, c'est les points des ennemis, 24 sur 24. Et puis à droite, ce sont les gens qui se sont fait tuer ou quoi. Par contre, je comprends pas pourquoi je ne peux pas courir. Est-ce que. À moins que je suis déjà à fond dans la course. Je crois que je me fais attaquer. J'en suis pas sûr. Alors, ça doit être une carte qui n'est pas terrible. Ok, il m'a eu. Par contre, on a un peu de sang, mais sans plus, quoi. On va changer parce que c'est pas une bonne map. Quitter la partie. Attention, 150 BP vous seront déduits pour avoir déserté un match en cours. Ouais, bon, de toute façon, c'est pas très grave. Ok, ensuite. On va sortir d'ici. Le sniper, bon ça c'était sûr. Il n'y a pas autre partie là. Sniper seulement, ok. Ou ça a l'air d'être un jeu qui queue sur le sniper. Ça c'est pas cool. On va tester celui-ci. C'est en attente, mais ça veut dire que la partie doit commencer, je pense. Alors. C'est vrai qu'avant je suis passé trop vite. Donc nous avons la carte. Et je crois qu'il choisit le sniper. Ouais, je crois que c'est une partie de sniper. Ok, je crois qu'en fait ce jeu-là est basé que sur le sniper. Là je peux peut-être entrer, on va tester. Ok, donc vous avez le nombre de joueurs, le nombre de la carte, le mode de jeu. Objectif 100 points, on doit atteindre les 100 points pour terminer, je pense, la carte, la partie. Le temps, je pense qu'elle dure 20 minutes. Et les armes. Armes normales, ok. Donc l'équipe, bleu et rouge, ça c'est normal, et puis le chat et ainsi de suite. Ok. Et lui, il est parti dans l'achat. Ils sont tous en match. Ok, bon, on va y aller. C'est parti. C'est bizarre, ils m'ont tout de suite changé de place. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc là, je pense que côté sniper, il n'y en aura pas beaucoup.
Ok, donc c'est parti. Alors on va un petit peu tester. Ouais. Ok. Ça me paraît vraiment bizarre. Ça a l'air d'être vraiment. Il y a beaucoup de snipers, je crois. Et j'ai l'impression que je bug aussi. Ouais, de temps en temps j'ai des petits freezes. J'ai des petits freezes aussi. Ça va être très emmerdant ça pour jouer. Ça va être très emmerdant, mais on va quand même tester. Ok, je crois que j'en ai eu un. Par contre, on prend cher. HP, j'en ai presque plus. Waouh, je me suis pris une grenade, je l'ai même pas vue. Ok. Bon, le gameplay a l'air d'être vraiment spécial. Je comprends pas pourquoi je peux pas courir. Ça a l'air d'être super sensible aussi. Dès qu'on se prend un peu de balles, on meurt très rapidement, j'ai l'impression. Et je peux pas courir, ça me paraît bizarre. Ok. Bon, j'ai mal visé, hein, faut avouer. Bon. Ok, bon, le sniper était rapide. Hein. Le sniper a pas l'air. Faut se méfier parce qu'ils peuvent très bien venir ici pour nous avoir. Je comprends pas pourquoi je peux pas courir. Il a pris un sniper. Pourquoi il se fait poutrer comme ça aussi vite? Sniper. Waouh! Elle a pas vu la grenade. Je l'ai eu en pleine tête. Wow! Là c'est bon, je commence plus ou moins à m'habituer un peu du jeu. Ou c'est juste de la chance, je sais pas. Oh, je pense que je vais rester ici, ça a l'air d'être un bon coin. Même si normalement on doit pas. Ok. Alors. On va pas lancer une grenade. Merde, il m'a eu. Ok. Bon. HP, j'ai 105 en fait. Ok, là j'ai raté. Je crois que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Alors que je suis pas un sniper, hein. J'ai plutôt de la chance encore.
Merde, ma grenade est tombée. Ok, je crois qu'il y a personne. Wow. Lui, il a quoi? Sniper, ah ouais. On va bouger un petit peu quand même. Qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a. Waouh. Lui, il s'est pris des balles, mais vas-y, avec son katana, quoi. Bon, au moins, on sait qu'on a des katanas. Wow. Grenade. On va recharger. Sniper, ouais. Ok. On va repartir de ce côté. Oh merde, lui il va m'avoir. Bon, ça reste un jeu d'FPS, hein. Tout simple, tout voilà. Mais ça reste un petit jeu sympathique pour faire quelques petites parties, quoi. Après, le jeu vient de sortir, donc forcément, il y a peut-être des choses que. Il y a peut-être des choses encore que qui va être encore améliorées, qui va être ajoutées et tout, donc ça faut pas voir pour l'instant. Faut surtout pas voir dans l'état actuel des choses, le jeu qui peut être encore amélioré, quoi. Bon, là j'ai eu un petit freeze. Pardon, j'ai eu un petit freeze, donc peut-être que si j'aurais pas eu ce freeze, j'aurais peut-être pu au moins en tuer un. Victoire. Ils sont tous là. Je crois que c'est nous, mais j'en suis pas sûr. Ouais, Victory, ouais, c'est nous. Ok, donc on a promu, on a gagné un supply box. Ok, on va peut-être sortir de. J'en ai tué combien, moi? J'en ai tué 15 et je suis mort 12 fois. Donc c'est plus ou moins bien, je pense. Ça aurait pu être mieux. On va sortir. Et on va peut-être essayer de faire un PC parce que ça pourrait être intéressant d'essayer. Un PC. Ah, un PC, ça peut être contre des ordinateurs. Ça ressemble à peut-être un truc d'entraînement. Bon, on va tester l'entraînement, tiens. On commence, c'est parti. On va tester pour encore cette partie-là. Et puis après, on s'arrêtera là. On a plus ou moins vu le gameplay. De toute façon, le gameplay, je pense qu'il est quand même plus ou moins important, quoi. C'est le gameplay quand même qui est plus. Alors, voir le personnage précédent. Il a l'air de bugger lui, non?
Map d'entraînement en cours. Ok. Je sais pas, qu'est-ce que... On va peut-être passer de ce côté, nous. Donc c'est un entraînement, ça doit être des joueurs contre du PC. Je pense, hein. On va déjà voir ça. Par contre, j'ai de temps en temps des petits freeze qui est très gênant. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est, je pense, parce que j'enregistre en même temps. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut chercher, en fait. Map d'entraînement. Ouais, je sais pas du tout qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Ouais, bah je ne vois pas du tout. Bon, on va quitter, hein. On va quitter car je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Quitter la partie, ouais. On va refaire une autre partie alors. Le PC, ça doit être tout pour Rave. On va peut-être tester ça. On va tester cette map là et puis on s'arrêtera là. Vu qu'on a vu à peu près le gameplay. Je sais, je radote, je radote. Alors, donc c'est parti. Ah ouais, il est tout seul le gars. Ça c'est pas cool. J'espère qu'il y aura d'autres joueurs qui viendront parce que le gars il est tout seul. D'accord. Je crois que c'est une... Ah c'est bon. Bon. Ils sont deux contre deux je crois. Ouais. Bon, il m'a tué avant que la bombe n'explose. Ça, c'est dommage. Bon, au moins, on a vu le spawn. Le spawn des ennemis. Bah, il m'a pas vu. Bah, lui, il m'a vu. Encore un autre truc. Bah, il va le prendre, lui. Bah, je. Non, je vais peut-être pas le suivre. Heureusement que je l'ai pas suivi parce que. Il y a un gars qui se ramène. Ouais, il y a un autre gars. Est-ce qu'il va l'avoir? Ok. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, j'ai des petits freeze. J'espère que ça se verra pas trop dans la vidéo. Wow. Avec le petit gun qui m'a tué. Vue partenaire off. D'accord, si on a un autre partenaire, si on joue avec un autre partenaire, on verra ce que lui verra. Si je comprends bien, là où qu'on a la mini carte à gauche,
En bas, on a vu partenaire off. Si, je pense que si on a un partenaire, on va pouvoir avoir une petite caméra où on puisse voir qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a rien. Il y a du monde ici. Ah, il repop ici par contre. Ouais, c'est pas cool. J'aime pas trop attaquer des gens au moment où ils repop. Donc on va se barrer un petit peu. Hein. Parce que c'est pas sympa de les stopper au moment où ils repop. Même s'ils peuvent pas se faire tuer, voilà, c'est pas marrant, quoi. Wow. Ok. Ça reste un jeu simple, quoi. De toute façon, dans toutes les FPS, ça reste basique. Ok, bon, je l'avais vu, mais je pensais pas qu'il avait un sniper, quoi. Ok. Je sais pas si les grenades, j'arriverai à le toucher de là-haut. Moi, j'ai plus de grenades d'ailleurs. Merde. C'est fait pour très vite, très vite. Ah, mais repop là aussi. Ah. Oh. Comment il a fait pour me tuer là? Il n'était pas du tout en face de moi. Je lui balance la grenade, il l'a pris. Oh non! Dommage. Dommage, dommage. Sniper toujours, ouais. Ah, les snipers, c'est trop facile. Trop facile de jouer avec un sniper. En un coup, si tu vises bien, tu le tues. Ah, c'est pour ça, moi, j'aime pas trop jouer avec les snipers. Ok, comment ça se fait que je suis tombé ici, quoi? C'est 120 aussi pour gagner, ok. Alors. Wow. On va y retourner. On s'arrêtera à cette partie-là.
Sniper. Non. Ok. Alors. Ça peut être très bien de prendre un autre flingue pour voir. Non, je peux pas le G. Merde, trop tard. C'est le couteau. Ok, en fait. Wow! Bon, de toute façon, je voulais tester les trucs. Par contre, les dessins au sol ne veut pas dire que. Comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était pas nos collègues. Ouais, ce n'était pas notre collègue. Je croyais que c'était un collègue à nous parce qu'il avait le truc vert dessus. Et en fait, c'était de l'autre côté. Ok. Ouais, bon. On est plus ou moins bien avancé quand même. Derrière nous, on a des ennemis. De temps en temps, je m'aide à la carte, vu qu'on a des points rouges dès que les ennemis sont là. Mais je crois qu'ils se sont fait tuer déjà. Oh putain. Ah ouais, je l'ai pas vu celui-là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'était moi! Pourquoi il s'est mis à tirer comme ça là? Bug. Je pense que c'était un bug là parce que j'ai pas appuyé sur tir. Ouais, c'est bien. Je crois qu'il repop ici de toute façon. Oh merde. J'ai pas de grenade, c'est dommage. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. Bon, c'est pas grave. Je voulais monter, mais bon. Ou il repopait à ce moment-là où j'avais de la chance et ça repop pas. Mais bon. Bon, ça. On attaque au niveau du spawn là et j'aime pas trop moi. J'aime pas trop. Headshot. Voilà. Victory. Yes, on a gagné. Ok, donc on gagne quoi? Nouveau promotion, encore un truc box.
On va peut-être, avant de partir, regarder pour voir. Par contre, moi, j'ai fait quoi? J'en ai tué 23, je suis mort 18 fois. Mais c'est à peu près le même style qu'avant, quoi. Ok. On va sortir. On va regarder vite fait dans le stockage. Est-ce que c'est ici qu'on peut trouver... Ah, voilà. Alors, on les ouvre et on a activé tout. On peut les garder. Bon, c'est des nouvelles flingues et tout, donc ça peut être intéressant de les garder. On va peut-être pas tous les activer, mais voilà quoi, ça reste sympa. Vous montez en level, vous gagnez des objets. Bon, ça c'est dans chaque jeu, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas vraiment quelque chose qui a changé par rapport à d'autres. À d'autres jeux de trucs, à part le partenaire. Le partenaire a l'air d'être sympa, surtout si on peut voir aussi la petite vidéo du partenaire. Ça peut être sympa. Alors, je pense qu'on peut voir, mais j'en suis pas sûr vu que j'ai jamais essayé. Mais je pense que ça peut être ça. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.